Deux à deux avec vous, Patricia Cass, et des réponses du tac au tac. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureuse dans la vie? 7. Bonne moyenne. Est-ce que vous avez déjà abusé de votre notoriété? Oh, pour avoir une table dans un restaurant. Quelle est l'odeur la plus repoussante? Le poisson. Est-ce que vous avez déjà été victime de la violence d'un homme? Non. De par des mots, mais pas par la violence directe, non. Le pire conseil qu'on vous ait donné dans votre métier? De faire confiance. Votre juron préféré? Shit. Qu'est-ce que vous aimez en vous, physiquement? Mes yeux. Quel âge sentimental vous donneriez-vous? 37. Est-ce que vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un? Oui, mais... Pas jusqu'à l'acte. Pas jusqu'à l'acte, ça c'est sûr. La chose la plus précieuse que vous possédez? Mon âme. En quel animal vous aimeriez renaître? Oh, mon petit chien que j'ai plus. Est-ce que vous avez déjà pris des antidépresseurs? Oui. Votre dernier rêve érotique? Où ça date, hein? La dernière fois que vous avez pleuré? Quand je suis sortie du studio et j'ai écouté mon album 3-4 fois, seule, dans la nuit. Et le lendemain, j'ai pleuré en appelant une personne proche. Et c'est la première fois que ça m'arrive, que je pleure en disant « Il est beau, je suis fière de moi ». Est-ce qu'il vous arrive de mentir sur votre âge? Non. Oh bah, j'ai pas le choix, hein. Vu la presse, non. Mais ce qui est important, c'est l'âge qu'on a dans sa tête. Qu'est-ce que vous chantez sous la douche le matin? Je chante pas sous la douche. Je chante pas à la maison. Ah bon? Jamais? Non. Mes amis me disent toujours, tu chantes et tu... Enfin, en fait, ton métier, c'est chanter, mais on ne t'entend jamais chanter.